t'aurais pas vu ma tête. Quelqu'un? Je m'étonnais de ne pas vous avoir encore vu. J'ai l'impression que c'était hier que votre mère et votre père sont venus m'acheter leur première baguette. Ah! Je vais vous faire vous voir! Je vais vous enfuir des moments, vous avez! Donc, ma mère était morte, tu as abusé! Ta femme m'est pris, je m'en enculé! J'ai caché à rire à vous, espèce de putain! Où sont tes moments, vous allez manger! Eh bien, faites le geste. Ah non. Non. Ferme ta gueule. Allahu Akbar. Non, non, certainement pas. Bon, on va vous le dire, le projet secret. Voilà. C'est ça. Il était quand même temps qu'on lâche le morceau. Hein. Moi, je n'osais pas trop en parler, mais bon, c'est vrai que quand on le voit comme ça, c'est... impressionnant. Bon, c'est pas... c'est petit, c'est grand, c'est ce qu'on veut, quoi. C'est secret. Ouais, d'accord. Ouais, là, je crois que je vais prendre les choses en main. Le type qui a fait ça est un maniaque. J'espère que vous avez le cœur bien accroché, parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Lâche pas. Est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? J'ai perdu ma mère ce matin. Ah non. Non. Et mon chien est mort. Alors si je pouvais dormir chez toi, tu vois, juste pour avoir une présence, un compagnon pour pas être seul. Bah pourquoi pas? Après tout, pourquoi pas? C'est quoi? Sarreguemines en Moselle, il est 7h30. Derrière ces portes, ces malades ont tous un point commun, la violence. Certains ont agressé des infirmiers, d'autres sont des meurtriers. Je ne les aime pas, je leur chie dessus. Comment va-t-il faire pour gérer les crises à répétition de... Il est venu pour ce genre de comportement. Et ça s'améliore pas. Certains de ces patients vivent aujourd'hui en liberté. Sont-ils vraiment guéris? Nous verrons comment ce psychiatre essaye de les réinsérer dans la société. Une plongée au cœur de la violence psychiatrique. Ah, vous êtes là. Bonjour. Bonjour. Je suis Amixem. Moi, c'est Astu. Ah, ça tourne. Salut. Mesdames et messieurs, on se retrouve pour un nouveau projet secret. Tu peux y aller. Bon, on va vous le dire, le projet secret. Voilà. C'est ça. Bah oui, il était quand même temps qu'on lâche le morceau. Hein. Moi, j'osais pas trop en parler, mais bon, c'est vrai que quand on le voit comme ça, c'est... impressionnant. Bon, c'est pas... c'est petit, c'est grand, c'est ce qu'on veut, quoi. C'est secret. Plus maintenant. Noni. Sato ni totte omae wa osoru beki heiki de shika nai. こんなことは言いたくないが、今さら俺たちから離れて正規部隊に入るなんてきついだけじゃん。お前をよく思っていない上役ばかりだし、里の大半もお前に対して恐怖心を抱いている。分かっている。Bonjour. Ça tourne. Salut.
Hey, salut tout le monde, c'est Tricky, mais aujourd'hui on se retrouve pour parler avec Mastu, Vodka Prod, Amixem de Undertale, un jeu que j'apprécie beaucoup pour différentes raisons et notamment pour sa morale donnée par l'auteur. Comme vous le voyez, j'ai voulu faire une chronique de jeux vidéo de façon originale et amusante en mettant en scène à plusieurs reprises Amixem, Mastu et Vodka dans ma vidéo pour le hashtag 3D Capture Challenge. Bon visionnage. Amixem, tu payes. Jeu de rôle indépendant de type RPG sorti le 15 novembre 2015, développé en grande partie par Toby Fox que je remercie pour avoir réalisé ce jeu vidéo, c'est donc de Undertale que je vais vous parler. Juste pour prévenir, la vidéo peut contenir quelques spoilers, donc faites attention si vous n'avez pas fini le jeu ou si vous voulez y jouer. Ah oui, et j'ai même envie de te dire, c'est même mieux. Bon, pour se situer dans le contexte, il faut savoir qu'avant l'histoire d'Undertale, deux races vivaient sur Terre, les humains et les monstres, mais qu'un jour, une guerre éclata entre les deux peuples et qu'après une longue série de batailles, les humains furent victorieux.